reborn. Wow. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, hein, vraiment, ça donne froid dans le dos. Un homme a perdu sa mère. Elle a décidé d'organiser les funérailles. Mais waouh, quand vous voyez les funérailles, ha, vous avez l'impression que c'est une fête. Il y a la voiture de luxe là-bas. Et nous, on pensait que c'était juste ça. Mais après ça, il y a eu un show. Il y a ce show-là. Tous les hommes riches du Nigeria, même du Cholet Blanc, sont venus là-bas. Et c'est devenu le travaillement, comme on appelle cela chez nous. Ouais, le boucan. Ces gens-là sont descendus avec beaucoup d'argent. Pour certains, 100 millions. Pour venir juste jeter ça comme ça, jeter ça, c'est comme ça. Il y a un autre qui a acheté 40 bœufs pour offrir à son ami qui vient de perdre sa mère. Et tout ça. Ça se passe où? Sur les réseaux sociaux. Et les gens ont commencé à parler en même temps. Les gens ont commencé à dire, est-ce que ça me sert à l'argent? Est-ce que ça, c'est pas l'argent du rituel? Est-ce que c'est pas l'argent de la sorcellerie? Ah, comment est-ce qu'on peut avoir autant d'argent? On nous dit même que Davido, il était. Il est arrivé là-bas. Et quand il a vu ça lui-même, il était surpris, il était étonné. Il dit, ah, t'es sérieux? C'est quoi ça, il y a déjà au Nigeria ici? Et ça, c'est extraordinaire. Quand vous regardez ça, je vous assure que vous avez envie de les envier, vous avez envie de les envier même. Au point où il y a certains jeunes qui cherchent à rentrer en contact avec certaines personnes qui ont réussi. Par exemple, vous voyez, non, sur les acteurs, là, s'ils arrivent à vous donner l'opportunité de côté à eux, quand vous côté eux, vous leur posez la question, ça va, mais ah, c'est comment? Comme ce que certains jeunes ont fait. Pose la question à un acteur qui s'appelle Yul Edoshi, un acteur aussi du Nigeria à Hollywood. Il lui pose la question, mais ah mon frère, c'est comment? Faut nous monter là où tu allais faire ton argent, nous on va aller là-bas. Montre-nous qui est ton fétichier. Faut nous monter qui est ton fétichier, nous on allait te faire de l'argent aussi. Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont vu pour parler ainsi? Venez voir. Venez voir. Regardez. Oh mon Dieu, what is this? Qu'est-ce que c'est? Regardez ça. L'argent. Wari. Beaucoup d'argent. Et c'est ici que tout se passe. Vous voyez, non? Là, le monsieur a beaucoup d'argent. Et il a décidé de distribuer son argent. Aux gens, vous arrivez à ces funérailles, vous voyez de l'argent, beaucoup d'argent comme ça. Si vous voulez, vous pouvez vous battre. Il y a de l'argent, beaucoup de gens jettent de l'argent partout. Si vous voulez, vous venez vous ramasser, vous partez. Est-ce que moi, si j'étais là-bas, j'allais les ramasser aussi? Ne posez pas la question là deux fois. Mais je pense qu'à un moment donné, là, on prend du recul. Et on s'est dit, mais ah, c'est quand même beaucoup d'argent. Et venir jeter de l'argent comme ça, gratuitement, c'est quand même trop beau pour être vrai. Si je ne vous montre pas ça, hein, vous avez parce que ce sont des histoires. Regardez ça. Vous voyez, non? Voici ce qui s'est passé là-bas. Regardez ce qui se passe au Nigeria en ce moment. Les gens, quelqu'un a perdu sa maman, ils ont fait les funérailles et tout ça. Mais après ça, c'est lui le show, le bocan. Chacun veut montrer qu'il a le pouvoir, qu'il a de l'argent, qu'il est vraiment riche. Et regardez, ce gars-là travaille en millions de naira. Tu dis, c'est 1 million. On peut dire même 3 millions, hein, 3 millions de naira. Il travaille en 3 millions de naira. 3 millions de naira, travaillement. 3 millions de naira. Ça lui prend de l'argent, un coup comme ça, un paquet, un brick. Il dépose 3 millions. 6 millions. Combien encore? 9 millions. Et puis quoi encore? Continue à côté. Hein? Chi, regardez, il prend de l'argent dans son sac, hein. Il a neuf, tout, il a neuf, c'est lassé. Et puis, il donne ça, c'est une belle opportunité pour montrer qu'ils ont l'argent. Ouais, personne ne peut les défier. Ce sont les hommes riches de ce monde. Ouais. Et voilà, regardez cette boisson. Où est-ce ce vin ou bien je ne sais pas quoi là?
Apparemment, ça coûte 3 500 000. Ça coûte 3 500 000. Peut-être le prix de l'ordinateur qui est là-haut. Jésus. Nous, on investit dans le matériel. Maintenant, vous investissez dans le beau corps. Dans la vie, il y a des bas quand même. Hein. Mais vous pouvez me faire des dos quand même. Mais si vous savez que votre argent n'est pas bien, restez avec ça chez vous. Hein. Ne m'envoyez pas de problème ici. Restez avec ça chez vous. Regardez. Le vin là c'est mon bon, la boisson là c'est moins, ça coûte 3 500 000. 3 500 000, pourquoi? Pour de l'eau et le bois. Vous êtes malade? Vous êtes fou? Hein? Madame, vous êtes à l'hôpital, hein? Regardez ça. Regardez, nous mode, ouais, regardez, ouais, c'est ça, ça me coûte 3 500 000. 3 500 000, hein, vous voyez, c'est juste pour amoyer le coup, hein. C'est juste pour moi, le coup, c'est sérieux. Regardez. Ah, on dit que maman de quelqu'un est mort. Elle est de pleurer, elle ne pleure plus. Hein. Ils sont fait le show là-bas, ils sont fait le boucan. Ouais. C'est le boucan. C'est la joie. Chacun veut montrer qu'il a l'argent. Apparemment, ils se sont préparés. Hein. Il y a un qui est venu faire le boucan le premier jour. Ah, il avait le bocal, il a jeté 100 millions. Après, il a dit non, 100 millions ce n'est rien. Il faut que la richesse aille encore retirer de l'argent à la banque. Il faut qu'il aille jeter de l'argent à la banque. Il avait pris encore beaucoup d'argent pour venir. Et c'est devenu bocal là-bas. Bocal sur bocal. Il jette de l'argent en désordre. Regardez, même les blancs ont décidé de venir se faire le show aussi. Ha 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 ha. Tiens, les blancs, vous aussi, vous faites de bocal. Hein? Vous faites de bocal. C'est rien qui vous a montré ça, qui vous a appris ça. Regardez, il se lapide même avec de l'argent, il se lapide. Hein. Oh, tu m'énerves même maintenant. Même. Tu m'énerves, allez, pompe-toi. Regardez-moi ce salaud. Tu m'énerves, regardez. Oh, tu m'énerves même, regardez. Il était lapide avec de l'argent aujourd'hui, j'étais lapide. Waouh. Les gens se lapident avec de l'argent. Hein? Eh, si la vie était si facile, hein, et que tout le monde est riche. Regardez ça. C'est seulement au paradis, nous tous serons multimilliardaires. Sinon, c'est la terre si on se cherche. On grigra, on lutte. Ouais, la vie est dure, comme caillou. Mais Dieu est fort. Dieu est fort, il faut du mieux un peu caillou là, c'est trop dur. C'est trop dur. Regardez. Une fois que vous avez trouvé le circuit, encore le système, c'est fini. Vous allez vous faire de l'argent comme c'est pas possible. Beaucoup d'argent. Voici un acteur de Nollywood qui s'appelle. Comment il s'appelle le mec là? Regardez-le bien, ici. Il dit qu'il est l'acteur le plus riche du Nigeria en ce moment. Il s'appelle. Oh, j'ai oublié son nom. Zobi Michael. Voilà, il s'appelle Zobi Michael. Il dit. Un jour, il dit. Ah, je me suis réveillé le matin. Il dit. Bon, attends, j'ai compté combien d'argent il faut entrer sur moi. Il compte, il dit, il a fait 102 millions. 102 millions, il dit, ah, tu lui fais 102 millions juste seulement aujourd'hui. Tiens! Regardez, là, il prend des millions et il jette dans la foule, il jette des millions dans la foule. Des millions, il prend 1 million, il jette dans la foule, là, mais il lapide déjà l'argent. Il jette, on dit, oh, prenez ça, mettez-vous au là. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il va pas? Qu'est-ce qu'il a? Mettez-vous au, mettez-vous bien. Voilà, prenez ça, je vous lapide ça, je vous lapide sur l'onction. C'est l'onction de l'argent aujourd'hui, l'onction va couler à flot. L'onction d'ailleurs va couler à flot. On nous dit qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont allées là-bas. On nous dit qu'il y avait genre 5 millions de personnes présentes là-bas. Sérieux? Les gens sont allés juste pour ramasser de l'argent. Est-ce que ça va leur servir? Bon, ça dépend de ce qu'on a fait. Regardez à terre. Regardez à terre. Regardez ça. Ce sont les bœufs. L'un de ces riches hommes riches est venu faire donner 40 bœufs. 40 bœufs. Il dit, mon ami, tu as perdu ta maman. Vraiment, c'est chaud. Mais prends 40 bœufs, mets-toi à zoo. On va bien manger aujourd'hui. Ils ont fait le bœuf braisé. Ils ont bien mangé le bœuf. Oh mon Dieu, ils m'ont même pas évité. Ils m'ont même pas évité, même euros, ils m'ont pas donné. Dois-je pleurer? Seigneur, donne-toi pleurer, tu ne me vois pas?
Regarde mon zizi. Est-ce qu'il a joué ramasse? Ah! Regardez ça! Regardez! Aïe 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 aïe! Mais les blancs sont en train de le show. On appelle les chefs. Ouais, les patrons. Vraiment. En tout cas, quand je vois ça, je me dis, ah ok, c'est une autre image de l'Afrique. Avant, on nous montrait les Africains comme des gens affamés, des gens qui avaient faim, des gens qui étaient minces, mais pour voir de l'eau, c'est chaud. Bon, aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Regardez, l'image est en train de changer à cause de ce nouveau milliardaire, ce nouveau billionnaire. Ah, regardez. Regardez. Ah, il y a des acteurs. Les acteurs sont là-bas, les acteurs du Nigeria. Même le pasteur, celui que vous voyez, c'est un pasteur. Lui là, c'est un stroll. Il est là, il est venu aussi pour faire le boucan. Un pasteur du Nigeria qui veut faire le boucan aussi. Mais lui, il veut nous montrer qu'il a la thune. Hein? Est-ce que c'est conventionnel? Il y a beaucoup de personnalités là-bas. En tout cas, c'est une belle opportunité pour eux de monter leur pouvoir financier. Aïe aïe aïe. Seigneur Jésus, tu es joli. Seigneur, il faut tous nous bénir ici, quitter ici. Il faut bénir, faut nous bénir aussi. Mais que ce soit du bon argent. Et regardez bien, c'est un acteur du Nigeria. Regardez lui sur l'acteur du jour, il était de nous montrer ce qu'il a. C'est un acteur du Nigeria. L'un des acteurs les plus célèbres au Nigeria là-bas. Ouais. Tchou. C'est lui qui a été travaillé comme ça. C'est lui qui a la lune, juste le buisson noir. C'est lui, c'est un acteur du Nigeria. L'un des plus grands acteurs du Nigeria. Monsieur est venu faire le travail, moi. Il est venu jeter de l'argent. Quand les jeunes gens voient ça, ils se disent qu'eux aussi doivent trouver le chemin pour se faire de l'argent aussi. Et au lieu de chercher à travailler dur, ils cherchent la voie des féticheurs. Ils se disent, ah, quel féticheur sont allés voir pour avoir autant d'argent? Eux, tu vas le voir, le féticheur. Il y a d'autres mecs qui se sont dit que, ah, Jésus-Christ, tu as vécu combien de temps sur la terre? Si tu as vécu juste 30 ans, non? Tu as fait ton show. Juste nous, si eux sont vivants aussi 30 ans. Ouais, juste, et après, ça va mourir. Et donc, on fait 30 ans, on fait notre show. Et après on meurt pas. On fait l'ambiance comme ça, tout le monde nous regarde et puis on meurt. Ha! Genre être célèbre pour peu de temps et mourir jeune. Ça là, il n'y a rien de temps. Ça là, il n'y a rien de temps. Ça là, il n'y a rien de temps. Vraiment, la vie. Dans la vie là, il y a ceux qui sont là pour influencer les gens. Et puis il y a ceux qui sont influencés. Où êtes-vous? Quelle est votre position? Vous êtes positionné où? Ah, quand vous voyez ces choses, vraiment, ça vous bouge un peu. Surtout quand vous aussi vous aimez un peu l'argent. Quand vous aimez pour beaucoup l'argent, vous aimez aussi l'ambiance. Ça vous chatouille. Dès que vous voulez beaucoup d'argent, quoi, ça me chatouille. Ça te chatouille. Bon, si ça te chatouille, il faut appeler ta femme, elle va te masser. Vraiment, ça peut vous séduire. Ça peut vraiment vous attirer. En tout cas, ce qui est important, c'est de chercher à savoir comment ces gens-là gagnent leur argent. Comment ils ont gagné leur argent. Les gens sont en train de tout de suite penser à aller voir les féticheurs pour se faire de l'argent. Souvent, quand vous allez chez les féticheurs, vous voyez beaucoup de jeunes. Vous voyez beaucoup de jeunes gens comme ça. Ils sont alignés. Chacun est venu prendre pour lui pour partir. Se faire de l'argent, des millions. Et apparaître dans les concerts, des stades de la musique pour venir jeter de l'argent. Et ils arrivent là, ils disent au centre de la musique. Par exemple, aux gens qui sont dans l'équipe du DJ en Côte d'Ivoire, ils leur disent, ah, écoutez, tiens, 17 millions, chante mon nom. Tiens, 17 millions, juste dis mon nom dans ta chanson. Bon, écoute, je viens à ton concert, à ce concert-là, aïe, 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 ce qu'il a fait, il n'a jamais vu de toute la vie. Mais il faut juste chanter mon nom. Voici comment je m'appelle. Je m'appelle
DJ Nyang's Reborn. Oui, il m'appelle le C Nyang's Reborn. Et le DJ aussi, il est là. Le C Nyang's Reborn, c'est lui. Et puis le gars a fini, jette de l'argent. Mais t'as fini de jeter de l'argent. Qu'est-ce qu'on retient de toi? C'est que les gens m'ont dit, ah, tu es un ritualiste. Et là, parce que ces gens-là sont des ritualistes, hein. Là, c'est des gens là-bas, ah, ces gens-là, vous avez pour aller à un ritualiste. Ils sont le voir vieux, le doji. Pour dire, le doji, toi, tu vas beaucoup de films où tu nous montres les rituels pour faire avoir de l'argent. Est-ce que tu connais le chemin là? Si tu connais le chemin, pardon, faut nous montrer c'est quel féticheur. Tu allais de quel féticheur? Faut nous dire le féticheur là. Eh Seigneur. Vraiment, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit que vraiment dans ce monde là, il y a de l'argent. Il y a beaucoup d'argent. Vraiment beaucoup d'argent. Mais faut pas trembler devant ça. Vous êtes un être humain, vous avez plus de valeur que toutes les richesses de la terre réunies. Suite à votre âme. Votre âme a plus de valeur que toutes les richesses de ce monde. Aucune chose de ce monde ne peut égaler votre petit doigt. Mais votre petit doigt, ça dépasse des milliards de ce monde. Donc vous avez plus d'importance que ça. Ne tremblez pas, c'est vrai, ça vous choque, ça vous impressionne parce que vous n'avez jamais vu ça. Mais pour avoir un héros, vous luttez comme ça. Eh, Seigneur, je vais travailler pendant une heure pour avoir un héros. Eh, combien de temps je vais faire pour avoir tout ça là? Combien de fois je vais faire pour avoir tout ça là? Ça fait que c'est une personne. Je veux vraiment trouver le chemin rapide. Mes frères et sœurs, moi je vous dis vraiment, si vous ne savez pas l'origine de l'argent de quelqu'un, ne la fiez pas. Honnêtement. C'est ce monde-là. Les gens qui ont de l'argent, qui ont vraiment beaucoup d'argent. Mais il y a beaucoup aussi qui sont morts. Il y a beaucoup aussi qui sont partis. Ils ont laissé l'argent ici. Ce qui est important dans la vie, c'est de vivre. C'est la vie. Oui, non. Le souffle de vie, la santé. Si tu arrives à te lever ton lit le matin, vraiment bénis Dieu. Ça là, ça n'a pas de prix. Il y a beaucoup de milliardaires qui sont couchés sur les lits des hôpitaux, qui ne peuvent pas se lever ni marcher. Aujourd'hui, Dieu vous a tout donné. Vraiment, considérez quand même ce que vous avez. Si vous voulez avoir beaucoup d'argent comme ça, vraiment, une seule voie, il faut travailler. Mais vraiment, avant d'avoir beaucoup d'argent comme ça, là, c'est que tu es. Et c'est quand les gens ont beaucoup d'argent comme ça, qu'ils disent qu'ils sont bénis. Ouais. Ils se permettent de dire que Dieu les a bénis. Mais qu'est-ce que fout cette boisson ici? Est-ce que Dieu boit de l'alcool? Et moi, je ne comprends plus. Seigneur Jésus. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon bâtiment bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs. Prenez soin de vous. Et soyez prêts pour le Seigneur. C'est parti.